Bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment tracer un diagramme ombre thermique. Donc tout d'abord, concernant le matériel, il vous faut un crayon à papier bien taillé, ou bien un critérium fera aussi l'affaire, du papier millimétré, une règle, une gomme, et comme nous allons tracer deux courbes sur le même graphique, il vous faudra un stylo rouge et un stylo bleu. Donc nous allons travailler avec les données climatiques de la station de Metsresquati pour la période 1991-2020. Donc vous avez le tableau sous les yeux. Donc on a tous les mois de l'année, de janvier à décembre. On a les températures et les précipitations. Donc température en degrés Celsius, précipitation en millimètres. Et donc vous avez les différentes valeurs ici et là. Donc, comment allons-nous procéder? Donc, on va voir maintenant la méthode. Donc, on garde bien le tableau sous les yeux. Notre papier millimétré, dans ce cas, on le met en format portrait. Et donc, première chose à faire, c'est tracer l'axe des abscisses en plaçant tous les centimètres l'initiale du mois concerné. Donc, on va de janvier jusqu'à décembre. Donc, on a 12 mois, donc il vous faut tracer un axe qui fait 13 cm. Ensuite, le deuxième axe va concerner les températures. Donc là, c'est en ordonnée. Donc on se met sur la partie gauche. Je vous propose de prendre comme échelle 1 cm pour 2 degrés Celsius et donc de graduer de 2 en 2 votre axe. Il ne faut pas oublier la flèche parce que cet axe-là, il sous-entend qu'on peut avoir des températures bien supérieures. Ensuite, où est-ce que nous allons mettre l'axe des précipitations? Eh bien, nous allons tracer une deuxième ordonnée sur la droite. Donc cette deuxième ordonnée qu'on a ici doit respecter cette échelle, P égale 2T, c'est-à-dire que les précipitations doivent être égales à deux fois les températures. Donc on a 2 degrés ici, donc si les précipitations sont égales à deux fois les températures, on doit avoir en face 4 mm. On a 4 degrés, en face on doit avoir 8 mm, 6 degrés, en face 12 mm, etc., etc. Donc ici je suis allée jusque 72, sachant que la précipitation maxi, on l'a ici en décembre, elle est de 71,6 mm. Donc tout comme le premier axe des ordonnées, j'ai mis une flèche à l'extrémité, ce qui signifie qu'on peut aller bien au-delà en termes de précipitation. Donc voilà, on a nos trois axes. Avant de commencer à tracer, il va falloir nommer ces axes. Donc voilà, donc on met bien en toutes lettres les températures en degrés Celsius, donc sur l'axe des ordonnées de gauche, les précipitations en millimètres sur l'axe des ordonnées de droite, et enfin les mois en abscisse. Ensuite, donc nous allons commencer par tracer les températures. Donc pour janvier, on a 2,6 degrés. Donc à janvier, on va se placer à 2,6 degrés et on va faire une petite croix. On fait pareil pour février, donc 3,7. On fait pareil pour mars avec 7,1. Et ainsi de suite avec les autres températures. Donc ça vous donne quelque chose comme ça. Une fois qu'on a tracé tous ces points, je vous conseille de tracer la courbe directement. Parce que si vous tracez la courbe tout à la fin alors que vous avez tracé également les points concernant les précipitations, vous pouvez vous mélanger les pinceaux et confondre température et précipitation. Donc les températures, par convention, on va les tracer en rouge. Donc ça donne ça. Donc les précipitations, on fait pareil que pour les températures. Pour janvier, on regarde 64,4. Donc on place 64,4. Donc on fait bien attention cette fois-ci, on utilise bien l'axe de droite. De toute façon, en termes de température, 64,4, on voit bien qu'on ne va pas jusque-là. Mais donc il faut bien faire attention, hein. Donc les températures, c'est bien l'axe de gauche, les précipitations, l'axe de droite. Donc février, 59,4, mars, 54,6, etc. Donc on obtient quelque chose comme ça. Et les précipitations, par convention, on les trace en bleu. Donc on a notre courbe des températures ici en rouge, les précipitations en bleu là au-dessus.
Il ne faut pas oublier la légende. Donc, pour la légende, je vous propose simplement de souligner les températures en rouge et les précipitations en bleu. Et enfin, ce graphique, on ne sait pas quel type de graphique c'est, ni quelle ville ça concerne, ni pour quelle période. Donc, il faut obligatoirement lui mettre un titre. Donc, le titre, c'est diagramme ombrothermique. Donc, c'est bien ce qu'on a tracé. De la station Metz-Frescati, parce que ça concerne cette station-là, et la période donc 91-2020. Donc je vous rappelle, hein, 91-2020, une période de 30 ans, ce qui nous permet de définir notre climat. Donc voici ce que ça vous donne en termes de diagramme ombrothermique. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et je vous souhaite un bon travail. À bientôt!